Dernière réunion là, au palais Mohamed V là. Ah non, mais non, les gars là, quoi, vraiment. Europe, vous êtes là, je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Vous voyez ce que je vous disais hier? Ils n'ont pas libéré les Alias. Les gars là, ils sont en train de se foutre de la gueule du monde. Ils sont en train de se foutre de la gueule du monde. Voilà. Et là, les dernières infos, c'est de la merde. C'est quasi de la merde. De la merde, hein? Voilà. Faites des réunions. Toutes les réunions là, c'est consacré sur le président Sélou. Je demande aux militants sympathisants, bientôt on va faire la fête. Parce qu'ils n'ont plus de plan contre ce monsieur. Plan Lani, c'est-à-dire Magouille Lani. Il n'y a plus de plan. Piège là. Il n'y a plus de piège. Ah, hein? Ils comptent que sur eux. Quoi faire de Air Guinée là? Récupération de domaine de l'État. Vous entendez parler? Est-ce que le directeur de patrimoine bâti, le soi-disant Mohamed Doussou Traoré, là, vous le voyez partir en train de faire récupération de biens de l'État? Parce que à la base, leurs faux conseillers, là, ce qu'ils ont dit, là, comme ce que je vous avais dit, là, le gars dit. La maison de Dixine de Selou, c'est là-bas qu'il y a son secret. Pourquoi Alpha n'a pas reçu contre Selou? C'est parce que Selou était toujours dans sa maison-là. Il faut faire sortir Selou dans sa maison-là. Il faut faire sortir Selou dans sa maison-là. Que le secret de notre président se trouve dans sa maison-là, là-bas. Ah, maintenant notre président est sorti, non? Ils ont fait sortir Sidia, non? Hein? Après, ils ont fait sortir quelques personnes. Quand vous partez même, les maisons qu'ils ont fait sortir là, c'est-à-dire les personnes qui ont détaché leurs portes, qui ont pris même leurs fenêtres parties là, ça, c'est pas des maisons. Ça, c'est pas maison qu'on dit maison de l'État. Ça, c'est des cabarets. Maisons qu'ils ont récupérées à Kamaël là. Les maisons qu'ils ont récupérées, les petites maisons qu'ils ont récupérées à Kamaël, là. C'est parce que ceux-ci-là, ils ont récupéré pourquoi? Ils ont fait des enquêtes par après. Dis, hey, coupez ça. Donnez le téléphone là. La live, les gens sont en train de m'écouter, je n'aime pas ça. Ils sont partis récupérer ça pour la forme. Juste, afin de déguerpir ces loups-là. Maintenant, les marabouts là sont fatigués là. Parce que ces loups, lui là, c'est un enfant béni. Ces loups, lui là, c'est Dieu qui lui a donné ce qu'il a. Son niveau là, là où il est là, c'est Dieu qui lui a donné cela. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est ces loups, tout le monde dit, ah, combien d'années? Le seul politicien qui tient face à une dictature. Les gens viennent dans son rang, on le trahit, on part. Les gens viennent dans son rang, on le trahit, on part. Il ne parle même pas de ça. Regardez. Le président du parti, de l'UPG ou quoi, bah, le parti de Jean-Marie Doré, il a quitté la natte. Est-ce que vous avez entendu Selou parler de ça? Quelqu'un a entendu Selou parler de ça? Il ne va pas parler. Il est comme ça. L'homme là. C'est-à-dire, il est trop béni, quoi. Très, très, très béni. Ce que je vous ai dit, est-ce que vous entendez? Affaire de récupération de domaine de l'État. C'est fini, car. Mohamed Doussou, Jordan. Parole, Jordan. Vous savez, on m'a appelé. Oh, je vais dire, je vais dire. Moi, je vais dire. Il y a des choses que je ne dis pas, je peux garder. Mais ça, je vais dire. On m'a appelé pour me dire
que Jordan, ok, pour me dire que Doumbouya, pour me dire que Doumbouya, Doumbouya veut que j'arrête de dire le nom Jordan là. Ah, est-ce que c'est moi que j'arrête de dire? Il regarde, hein? Il regarde, hein? Et là, on me dit que Doumbouya veut que j'arrête de dire le nom Jordan. Maintenant, moi aussi, je dis quoi? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. On veut durée de transition. Si on a durée de transition, là, raisonnable. On a durée de transition, là, raisonnable. Hein? Élection transparente. On va arrêter de dire Jordan. Que parce que le nom Jordan, ça lui fait mal. Non, le régime buveur, on va me tuer. Wallahi, billahi ta'alaï. Le régime buveur, on va me tuer. Mamoudou Kadé, tu m'insultes. Jordan dit. Ok. Bon, je dis, on est en négociation. On va négocier. Ils vont organiser l'élection. Ils vont donner à notre président. Et puis c'est fini. Affaire de Jordan là. On va arrêter. Non, Jordan, quoi. Vraiment, c'est pas la peine. Donc, comme je disais, c'était la partie science de rire. Comme je disais, partagez, go. Si vous partagez pas, partagez. On va bien parler. Vous allez être tranquille, à l'aise. On va bien dormir après. Partagez. Vraiment, quoi. Non, c'est pas la peine. Le régime biberon. Maintenant, on me dit ceci. Non, entre nous, là. Regardez, 200 et quelques. Partagez dans les groupes. Entre nous, là. Est-ce qu'on doit arrêter de dire Jordan? Non, c'est pas normal. On continue. Jordan est le truc biberon. Ça fait mal. C'est biberon, ça fait mal à Amara. Biberon, ça fait mal à Amara. Biberon, ça fait mal à Amara. Jordan fait mal à Jordan. Maintenant, il y a plus de plan l'année goy. Voilà. Maintenant, il y a les partis politiques qui ont fait des déclarations aujourd'hui. Boum, on va rentrer bientôt dans la vraie danse. Le show va commencer. Ce show-là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Comme tout le monde cherche à s'acharner sur le président Zelou, là, hein? L'homme, il se repose tranquille parce que tellement qu'il en a sous la tête. Je vous ai dit hier, aujourd'hui, qu'on va parler les coulisses du coup d'État. C'est ceux qui étaient avec Jordan. Voilà. Est-ce que vous comprenez? On continue. Hein? Voilà. Jordan. C'est Jordan. Voilà. Jordan a dit que la justice sera la boussole. On va faire la refondation de l'État. Que nous allons écrire une constitution ensemble avec les forces vives de la nation. Jordan l'a dit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une Guinée. Plus encore pire que celle d'hier. L'espoir qui devait faire émerveiller ce pays, tisser ce pays au devant de la scène,
cet espoir aujourd'hui est devenu un désespoir. C'est qui a la tête? C'est Jordan. L'un des exemples frappants, le déguerpissement des pauvres citoyens, illégalement, la pression, l'instrumentalisation de la justice qui a été dit par Jordan et qu'il a fait preuve de manifester lui-même sa pression sur la juge qui était chargée du dossier dans l'affaire de la maison du président Selou. Alors, est-ce que c'est un homme avec qui on doit négocier? Est-ce que c'est un homme ou un groupe avec qui, lesquels on doit négocier? J'ai dit non et non. Parce que ils nous ont dit et nous ont donné des faux espoirs. Et ces faux espoirs, ils nous ont montré et ils sont en train encore de nous montrer que tout ce qu'ils ont dit que c'est faux, que ce sont des menteurs, que ce sont des faux types, que ce sont des personnes à ne pas croire, à ne pas suivre. Sinon, dans un état normal, oui, un état normal, un procureur de la justice ne peut pas faire un document, mettre son cachet, signer ce document, donner ce document aux avocats des accusés pour aller au service pénitentiaire. Donner ce document signé, cacheté d'un procureur de la République pour que le directeur de la maison centrale puisse remettre les personnes sur cette liste en liberté. C'est quoi la boussole? Où est passée notre boussole, Jordan? Où tu as amené notre boussole, Jordan? Où tu as amené notre boussole? Cette boussole que tu as dit, tu as amené cette boussole-là. Où, Jordan? Tu t'appelles Jordan. Oui, dis-leur, Jordan. Dis-leur hier, dis-leur avant-hier, dis-leur hier, dis-leur aujourd'hui. Tu es Jordan. Pourquoi ce nom Jordan? Parce que c'est son nom de dealer. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Pourquoi ce surnom Jordan? Parce que c'est son surnom de dealer. On écrit sur le papier. République de Guinée, cour d'appel de Conakry, tribunal militaire de première instance permanent de Conakry, parquet du procureur militaire. Ordre de mise en liberté. Le procureur militaire prêt. Le tribunal militaire de première instance permanent de Conakry. Messieurs, le régisseur, il dit ceci. C'est le procureur. Je veux parler au procureur là. Le procureur là, il s'appelle Ali Camara. C'est un de nos grands frères. Il était à Bouloubiné. C'est un Bouloubinéka. Hein. C'est un de nos grands frères. Ali Camara, il était à Kindia, c'est quand l'événement du CNRD là, ils l'ont fait venir à Conakry. Ali Camara, vous voyez son nom est écrit en bas, Ali Camara, sur la mise en liberté du document. Il dit, le procureur militaire le tribunal militaire de première instance permanent de Conakry. À monsieur le régisseur de la maison centrale. Je vous demande de mettre immédiatement en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause. Les nommés, ils citent. Et là, tout le monde fait la fête. Depuis hier, les gens sont sur les réseaux sociaux. Jordan, toi, tu vas dire que tu vas négocier avec qui? Depuis hier, les gens sont sur les négos sociaux. Les alias sont libres. J'ai le dossier en main. Et le dossier, le fond aujourd'hui, c'est Jordan qui ne veut pas libérer les enfants. Parce que Bala Samora, c'est juste Bala Samora. Bala Samora, c'est le commandant de la gendarmerie.
Si on dit, on a tous dit Bala Samora, Bala Samora, Bala Samora. Mais Jordan n'a pas parlé. Jordan, il s'en fout. Jordan, il reste tranquille. Jordan, il reste tranquille. Et le procureur envoie. Vous voyez, le cachet, il y a le symbole de la justice guinéenne. Est-ce qu'on doit se fier de cette justice-là? Ça, c'est une justice. Quand on voit les juges de Conakry, la sortie, crier, il faut rétablir la justice. C'est incroyable. Regardez. Fait au parquet le 8 mars 2022, le procureur militaire, colonel Ali Camara, il y a le cachet de la justice guinéenne. Regardez ce cachet. Vous voyez le cachet? Le cachet de la justice guinéenne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non. Vous êtes fort. Vous êtes fordé. Vous êtes fordé. Tout ça pour calmer les gens de la basse-côte. Et dans Soso et dans Matarufi, ils sont en train de tromper les gens de la basse-côte. Quand ils ont libéré l'Alia, ils vont libérer l'Alia, ils vont libérer l'Alia. Si vous vous rappelez, de cette même ordre de mise en liberté, il y a quelques semaines, je crois, je vous avais fait une vidéo pareille. L'ordre de mise en liberté de Zakama Koivogi, qui a été fait depuis décembre. Son ordre de mise en liberté a été fait depuis décembre. Ils ont piétiné ça comme ça aussi. Celui-là, ils ne l'ont pas mis ici, hein, pour faire comprendre aux gens que lui, il est sorti. Mais il est toujours en prison. Si vous regardez la liste, vous allez comprendre Ali Camara, Ali Camara, c'est un commandant. Un commandant est plus gradé qu'un capitaine dans l'armée. Mais Ali Camara est au dernier, sur la dernière personne sur la liste, c'est lui. On a même mis les adjudants et même les soldats de deuxième classe devant le nom de Alia. Même les noms de soldats de deuxième classe ont été mis devant le nom de Alia. Sur la liste, allez-y fouiller. Maintenant, comment tout cela ne va pas se faire? Parce que le coup d'État, c'est malhonnête. Les mains noires qui sont derrière, c'est Alia qui doit être président. Le coup d'État se passe une nuit que tout le monde ne s'attendait pas. Oui. Mais Dieu ne fait rien pour rien, hein. Les Moussa Moïse aujourd'hui sont démasqués. Les Lamine Guirassy aujourd'hui sont démasqués. Oui. La nuit du coup d'État, qu'est-ce que Jordan fait? Jordan appelle Lamine Guirassy. Il dit, on fait coup d'État aujourd'hui contre Alpha Condé. Je vous explique, hein. Pourquoi espace aujourd'hui a totalement changé. C'est devenu un média du palais. Parce que Espace a été, oui, dans le coup d'État. Jordan se trouve avec Lamine la nuit, avec Moussa Moïse. Il prend les caméras, il rentre dans le palais. Tous les militaires qui ont été tués, tous ont été filmés. Les bandes sont gardées dans la main de Espace TV. Les bandes sont gardées dans la main de Espace TV. Quand ce régime-là va partir, vous allez voir plus tard, ils vont nous faire sortir co-immersion dans le coup d'État d'Alpha Condé. Et les corps, leur déplacement,
espace, c'est tout. Parce que Moussa Moïse, c'est 8 heures que vous avez vu Moussa Moïse. Hein? Non, ils étaient ensemble depuis toute la nuit. Jordan était avec Lamine, avec Moussa Moïse. Lamine est là. Il est là. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. De l'hôtel Sheraton, oui. Parce qu'on dit que Jordan était à Fourkaria, non. Il était proche de la mer. Maintenant, Moussa Moïse vient. Il fait seulement interview. Mais on a vu que c'est seulement Moussa Moïse qui interview Jordan. On n'a pas vu d'autres presses, d'autres médias. Ça, ça ne vous pose pas des questions. Pourquoi c'est Espace qui était présent le jour du coup d'État? Pourquoi c'était Espace TV qui était sur le champ? Pourquoi à 8 heures? On a vu que vous, on dit qu'il y a Moussa Moïse qui est sur le terrain. Et pourtant, ce jour-là, c'est un dimanche. Et ce dimanche, on se réveille à partir de 6h, 7h du matin. Il y avait des coups de feu. Et tous les véhicules, je vous dis, les gars, ils ont démasqué. Tous les véhicules qui circulaient pour descendre en ville, pour aller à Kaloum, tous les véhicules avaient garé. Parce que tout le monde entendait des coups de feu. Maintenant, les 8 ponts avaient été barrés. Est-ce que vous comprenez? Le 8 ponts avait été barré. Il n'y avait plus de circulation. Aucune voiture ne rentrait à Kaloum, ni ne sortait à Kaloum. C'est les blindés qui roulaient. Maintenant, la question est là. On a beaucoup de médias. La remarque en est que dès qu'il y a un petit problème quelque part à Conakry, vous voyez, il y a Gangan TV qui part là-bas, il y a Média Guinée qui part là-bas, il y a Moïse Guinée, il y a tout le monde qui part. Vous allez les voir, ils sont encombrés comme ça, Guinée News. Ils sont tous encombrés en train de faire passer les micros. On voit toujours comme ça. Vous comprenez, non? Maintenant, pour vérifier ce que je suis en train de vous dire, que Lamine Guirassy et Moussa Moïse étaient avec Doumbouya depuis la nuit, par quelle magie Moussa Moïse est venu à Kaloum? Par quelle magie il est venu à Kaloum pendant que ça tirait partout? Par quelle magie? Ouais, inspecteur Colombo, tu es en face de Derek là. Donc, si le coup d'État échouait, oui, Guinée Matin aussi, si le coup d'État échouait, Moussa Moïse et les Lamine Guirassy devaient être poursuivis comme médias traite, médias de rébellion. Mais oui, c'est normal, c'est le mot, comme médias de rébellion. Mais comme coup d'État avait réussi, boum, commence à faire interview. Et il était même, quand ça tirait, il était là, ça tirait, on le voit. Il y a une vidéo qui est sortie où il avait le casque anti-balles, Vous avez vu cette vidéo, non? Maintenant, les alias sort. Coup d'État est fini. Comme je vous avais dit, quand ils ont arrêté Alpha Condé, la nuit à 2h du matin, pourquoi tout ne s'est pas passé cette nuit-là? Parce que ils ont arrêté Alpha Condé à 2h du matin. Et normalement, tout devait se passer cette nuit-là, et que le peuple se réveille, que tout a changé. Pourquoi attendre jusqu'à 8 heures? Quand ils ont attrapé Alpha Condé, commandant Alia et son groupe, ils sont restés. Ils ont demandé d'abord à ce que les militaires en face, ceux du Bata,
ceux du Bata, qui, en général, viennent tous du camp Makambo, le groupe de Alia, ont demandé à ceux du Bata de déposer les armes, que ils sont tous les militaires guinéens. Tout ce qu'ils voulaient, c'est arrêter Alpha Condé. Bon, les tueries, quelques-uns sont partis parce que d'autres ne voulaient pas baisser les armes, d'autres ne voulaient pas laisser le président Alpha Condé dans leurs mains. Ceux qui ont compris, il y a certains qui ont posé les armes, ils ne les ont pas tués. Certains parmi les gardes, ils ne les ont pas tués. Si vous remarquez bien, et je vais vous faire revenir en arrière, vous allez partir fouiller les archives du 5 septembre. Les gardes du corps qui sont proches d'Alpha Condé, ceux qui portent les vestes, noires, oui, c'est une seule personne qui a été tuée. Le reste du groupe, où sont-ils? Toutes les photos qu'on a vues circuler, les personnes décédées, ce sont ceux en tenue militaire. Parce qu'au palais là-bas, il y a 50 gardes, en tout, 50 gardes, 25 dans la cour et 25 dans le palais. 25 aux alentours, quoi. 25. Et puis, ils changent. Il y a les heures de changement, tout. Et puis, il y a ceux qui sont dedans, ceux qui sortent aussi, les autres aussi, qui sont dehors, rentrent aussi. Ils balancent comme ça. Maintenant, les gardes proches d'Alpha Condé, qui sont avec Alpha Condé, qui sont, c'est-à-dire ce qu'on appelle aide de camp. Il a perdu un seul aide de camp. Et pourtant, Alpha Condé a un grand aide de camp, que je ne vais pas dire le nom ici, parce qu'il sait, il me suit, il regarde. Lui, il était où? Alpha Condé a un grand aide de camp. Il a un grand aide de camp, qui est le chef même de garde. Il n'est pas mort, il est vivant. Est-ce que vous comprenez? Boum! Il y a un seul aide de camp qui perd la vie. Le gars à la crâne rasée là, le gars là, celui qui est un peu costaud là. Vous vous rappelez de lui, non? Bon, je n'aime pas ça. Quand je suis dans un live là, en train de parler, les petits détails là, dans les moments de petits détails là, ne me posez pas des questions qui vont me faire revenir en arrière. Et pourtant, vous allez me faire sauter des détails et puis on va continuer comme ça. Il faut laisser que je finis de donner l'explication. Et là, si tu as une petite question à poser, tu balances comme ça. Si j'ai le temps de regarder le commentaire, ben, je regarde. Mais tous les commentaires qui passent, des fois, je jette les coups d'œil, ben, en général, je ne m'intéresse pas. Parce que on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Je ne veux pas puiser dans mes 1 milliard de gigas, vous donner les explications et en même temps, ressortir par là, essayer encore de lire les commentaires. Le blog, c'est pas facile. C'est très compliqué. C'est pourquoi il faut nous donner assez de temps pour pouvoir vous expliquer et dire les choses telles qu'elles sont exactes. C'est pourquoi vous nous suivez. Si les choses ne sont pas exactes, est-ce que vous allez perdre le temps de nous suivre? Donc, c'est ça. Maintenant, le gars en costaud, là, crâne rasé, c'est lui qui est mort. Mais, voilà. La zone Kaba a dit dinosaure, voilà. C'est comme ça. Le gars là, voilà, l'autre là. J'ai pas dit ton nom. L'autre, le boss des gardes, il est en vie. Et les autres membres des gardes, ceux qui sont en veste, où était-il passé? La question en est là. La question en est là. Où était-il passé, les hommes en costume? Où était-il?
C'est seulement le gars en crâne rasé qui perd la vie. C'est lui donc le vrai aide-de-camp d'Alpha Condé, parce qu'il s'est sacrifié pour sauver la vie de son président. Donc c'est lui réellement le vrai aide-de-camp d'Alpha Condé. Et les autres, parce qu'ils étaient tous déjà au courant. Ils étaient tous déjà au courant. Tous. Tous au courant. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? La question qui est la plus pertinente à se poser et qui va faire mal, très mal. Il fait nuit, il y a ma famille, je suis avec ma famille, on veut dormir. Je vais juste poser cette partie. Oui, Wosofé, Womameti. Je vais juste poser cette partie et je promets de revenir demain, Inch'Allah, de bonne heure. Nere, Womameti, je suis mon gars, Cindy. N'gèle, s'il te plaît. Je promets de revenir de bonne heure tôt et on va se donner ce qui s'est passé réellement et ce qui est en cours dans notre pays. Il faut qu'on soit prêt parce que c'est quelque chose de bien préparé et ça n'a pas été, ce n'est pas préparé là. C'est quelque chose de bien préparé fort longtemps. Il y a même des gens qui étaient en Europe qui sont dans le coup d'état là. Des gens qui vivaient, Inch'Allah, des gens qui vivent en Europe, qui ont leur pied dans le coup d'état là, qui ont financé le coup d'état là. Si vous vous rappelez bien, les premiers discours de Jordan, il parlait toujours les Guinéens de la diaspora, Ceux qui ne comprenaient pas, ils ont tous pris avion, partir à Conakry, ils pensaient qu'on parlait d'eux. Jordan parlait de ses associés. Ces associés-là aujourd'hui qui sont les mains noires. Et ces mains noires-là aujourd'hui qui ne veulent pas que ce pouvoir-là soit rendu si facilement. Tant que eux, ils n'ont pas pris l'intérêt de leur financement. Cette question que je vais vous dire. Si ce média qu'on a tous suivi depuis des années, qui est Adafo Media, je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre qu'on a porté confiance, qu'on a aimé, porté dans nos cœurs, se transforme pour être la pièce maîtresse, l'actrice maîtresse, pour assombrir encore le pays dans le chaos. Ce chaos des désolences, ce chaos de malgouvernance, ce chaos de dictature. Pendant que tout leur temps, tout le temps d'Alpha Condé, ils ont dénoncé et dit des choses sur le régime d'Alpha. C'est juste, tout ce que je viens de vous dire, ça c'est juste de l'introduction. Ce n'est pas le développement. Le développement arrive demain, Inch'Allah. C'est juste de l'introduction. Tout ça, là, quand j'ai dit, ils sont en nuit, c'est juste de l'introduction. Le développement arrive avec les détails exacts. Oui. Avec les détails exacts. Pendant ce temps, continuez à taper la belle vie à l'hôtel Sheraton. Mais là, d'ici là, on vous promet que nous allons vous mater patriotiquement. Sans prendre un sou avec qui que ce soit. Mais le karma de ceux avec qui, lesquels, les chefs que vous avez pris, les miettes, ce karma-là, vont se retourner contre vous. Ces karmas sont déjà retournés contre vous. On va aussi porter des costumes. Je vais acheter des costumes, des vestes. Je vais m'habiller. Et puis, on va venir parler aussi. Parce que pour eux,
quand il porte des costumes, des vestes, il s'assied, il parle, et puis voilà, ça, c'est bon, ils sont en train de dire la vérité. On peut aussi porter des costumes. Notre patriotisme est plus fort que celui que vous avez eu. C'est dommage. Comme il fait tard, c'est pourquoi, sinon j'aurais aimé qu'on soit là, parler de ça. Mais la famille avant tout. C'était votre frère. Respect, amour, paix, longévité à tous. Dans l'ensemble, il n'y a pas de malinqué, pas de peul, pas de soussou, pas de forestier. On est tous guinéens. À la base, ce combat-là, c'est pour la Guinée. À la base, c'est ça. C'est pour la Guinée. L'intérêt général de notre pays. Qu'Allah fasse que tous ceux qui sont dans les zones ombres, sombres, en train de faire des plans machiavéliques pour dire que nous aussi on va prendre pour nous. Nous aussi on va prendre pour nous. Nous aussi on va prendre pour nous. Les autres là sont venus, ils ont pris pour nous. Ils ont pris pour eux. Les autres là sont venus, ils ont pris pour eux. Ils ont pris pour eux. Que nous aussi on va prendre pour nous. Pour vous là. Hein? C'est fini. Hein? Merci. Désolé, je voulais pas vous. Je ne voulais pas vous quitter. Je vous aime trop. Je ne voulais pas vous quitter, hein, franchement. Je ne voulais pas vous quitter. Inch'Allah, qu'Allah nous donne demain. C'est pour la Guinée. Et quand c'est pour la Guinée, Dieu va toujours nous protéger. Les marabouts, les autres féticheurs, les sorcières. Bon, je piétine ça. Ouais. Parce que j'ai ce qui est plus vaste que le monde entier.